Non, parce que personne ne se risque à le sortir. Il a déjà niaqué ? Ouais, il a niaqué plusieurs fois. Au début, ça se passait très bien. Ouais. Il était un peu surexcité et puis après, il est monté en pression et il a détruit des harnais, il détruisait tout. Voilà, c'est ça, c'est ça. Le souci, c'est qu'il a fait tomber... Il a fait tomber déjà deux personnes et on ne sait pas comment ça peut tout virer une fois que la personne est au sol, tu vois. Exactement. Surtout. C'est pas un chien agressif. Non, non. C'est juste un chien frustré, oui. Qui compense sa frustration par de l'excitation. Mais il a une énorme force. Ah, il est. Je sais pas combien il pèse ce chien. Au moins 35 kilos, non? Ouais, c'est un chien. Le costaud, il est très très costaud. On y va. On y va. Ouais. C'est facilement emporté. C'est pour ça qu'on veut être deux pour le sortir. Je pense en double laisse. En double laisse. Mais bon, c'est pas comme c'est pas un chien créatif, il ne va pas chercher à se défaire du collier. Oui. Par contre, dans une certaine situation, les gens se débattent, etc. Il peut très bien partir du collier. Et après, ben, comme c'est un chien frustré, il va chercher à vadrouiller, hein, c'est sûr. Mais après, généralement, les chiens de refuge, ils reviennent au refuge. Oui, ils reviennent au refuge. C'est leur, leur seule maison. Et puis, il y a la gamelle du soir. Et puis, il y a la gamelle du soir. Voilà. Là, tu vois, comme il mange de l'herbe frénétiquement. Voilà. Là, il est en train de s'apaiser. Il a besoin de ça. Je suis carrément à 45 degrés. Hein. Ouais. Alors, comment éviter de se mettre dans une situation comme ça? Lui, c'est à l'étrange, et puis moi, si je lâche, je tombe, d'accord? Ok, comment éviter ça? Le maintenir à côté de toi. Ouais. Evan, tu peux commencer à lui apprendre l'ordre au pied. Ouais. Même s'il ne connaît pas l'ordre, il s'habitue. Oui, au fur et à mesure. Au pied, c'est que tu veux qu'il vienne ici. Ouais. Parce que tu commences déjà à l'éducation. Hein? Là. Très bien. Tu tiens près du collier et plutôt vers le haut. Oui, d'accord. Comme si tu voulais le soulever par le collier. Comme ça, ça le déstabilise des pattes avant. Regarde. Oui, ok. D'accord ? Naturellement. Pas par le collier. Hein. Oui, oui. Comme
comme ça, j'ai beaucoup plus de force que lui. Parce que lui, il peut plus... Oui, il a plus d'appui sur ses pattes avant. Allez, là, tu libères. Ok. C'est important de libérer l'ordre que tu lui donnes. Oui. Sinon, il va se libérer lui-même et c'est lui qui est gagnant. Et c'est lui, oui, oui, je comprends. En séquence d'éducation, il faut toujours que tu sois gagnant, de préférence, hein, gagnant entre guillemets. Hein. Oui, j'entends bien, bien sûr. Mais si il pense que en tirant, il aura tout ce qu'il veut, c'est lui qui gagne à chaque fois. Donc tu le renforces dans ses mauvais comportements. Ouais. Allez, viens, viens. Allez, là. Et là, je lui donne la liberté. Okay. Il m'a écouté, il a fait ce que je lui ai demandé. Donc là, maintenant. Il a ce qu'il veut. La liberté, tu veux la liberté? Ok, ça, tu la donnes. Allez, on y va. Je veux courir. Il lui apprend que d'abord, il faut exiger un récit, même si c'est très hésité, c'est très dur pour lui. Tu patientes. Assis d'abord. T'asseoir, c'est bon, elle peut sortir immédiatement après. Immédiatement après, oui, parce que sinon il a le temps de monter en. Exactement. Et s'asseoir, c'est déjà un bon apprentissage pour lui dire que c'est pas lui qui commande, en fait, c'est toi qui vas commander. D'accord ? Sinon, bah, ça donne des chiens comme ça, un peu que personne ne veut, parce ouais. qu'il est ingérable. Il faut toujours que ce soit un petit peu hiérarchiquement, entre guillemets, hein, au-dessus de lui. Ouais. D'accord ? Voilà. Ouais, il y a une position. Il faut positionner. C'est toi. Ouais, ouais. Il dit pas mon petit. Ouais. Ça va pas du tout. Lui, dans sa tête, il va dire oui, tu vas. Ouais. Et dans toi, j'en fais ce que je veux. Ok. Et t'as vu qu'il n'y a aucune force. Je n'ai pas forcé du tout. Ma force, c'est uniquement psychologique. D'accord. Il ne faut pas forcer. Ouais. C'est pour ça que ce chien-là, bon, il n'a pas une bonne éducation. Il a appris que lui, c'est lui qui dirigeait l'humain. D'accord. Et en plus, il a une extrême force. Oui. Donc, il ne peut pas le donner à n'importe qui. Oui. Par contre, il faut le donner à quelqu'un, même s'il est menu, quelqu'un avec une grande force mentale. Quelqu'un qui lâche pas. Ça, oui. D'accord. Donc, tu vois qu'il peut facilement obéir. Et tu vois que son énergie, là, on a couru quoi, 50 mètres. Oui. On regarde son énergie. Là, déjà, il est voilà, un peu plus posé. À 100. L'énergie, il avait à 100 au départ, 100%. Oui. Là, il a plus qu'à, on va dire, 60. Ok. 70. Un peu d'énergie, mais c'est parfaitement gérable. Moi, je tiens même à une main. Oui, mais on ne croise pas encore de chien. On verra. Donc, quelqu'un qui lui a instruit ses besoins de chien, bah, comme tous les chiens, c'est la socialisation. Ouais. C'est-à-dire rencontrer plein de chiens, rencontrer plein d'humains, s'habituer et être adaptable à tous les environnements. Hein. Ensuite, l'éducation. Parce que ce qui est fondamental, c'est pas un besoin de chien fondamental en soi-même, mais c'est un besoin fondamental dans notre société. Il doit oui. être bien éduqué. Oui. Il ne doit pas tirer en laisse. Il doit obéir aux ordres de base, etc., le rappel, etc. D'accord. Après, toujours l'exercice physique, il a besoin de se dépenser. Ce genre de chien-là, c'est pas des chiens d'endurance, ni des chiens de travail, on va dire. Oui. Hein, voilà. Croisé staff, poney corso. Donc c'est des chiens qui vont donner tout ce qu'ils ont rapidement, oui. Mais ça va s'éteindre rapidement. D'accord. Voilà. Par contre, s'il a des besoins d'exercice physique à suivre un petit peu tous les jours, il ne sera plus dans la fourchette haute oui. de l'excitation. D'accord. Ensuite, toujours, bah, travail mental, hein, pareil. Les chiens, ils sont intelligents. Ils comprennent très, très vite les choses, à la condition qu'on leur explique bien, qu'on leur apprenne des choses. Donc, ça fatigue aussi beaucoup plus que l'exercice physique en soi, de travailler. Moi, si je fais un exercice de maths, je reste où je sais pas, une équation matricielle de maths sup maths p, je vais me creuser la tête, me fatiguer, en 10 minutes, c'est bon, j'ai mal de tête et je vais me coucher. D'accord. Et donc, le besoin du chien, c'est aussi se sentir en sécurité à côté d'un maître oui. qui sait gérer, pense qui sait que, le gérer. Ouais. D'accord. S'il sent lui qu'il peut gérer le maître, ça va pas du tout aller. Mmh. Donc, il faut un maître qui sache le gérer. La plus grande force, c'est pas la force physique, c'est la force mentale. D'accord. Et bien le guider. Ok. Voilà. Et aussi, son besoin, c'est d'avoir aussi plein d'émotions. Et des émotions le plus possible positives, bien sûr. Oui. Pour que la vie soit belle. Oui. Donc les émotions, c'est quoi? Bah, c'est jouer avec les copains, c'est s'éclater dans la mer, aller nager dans la rivière, sentir plein d'odeurs, ouais. courir même avec une biche. C'est ça les émotions. Oui, oui. S'il aura beaucoup d'émotions dans la journée,
il aura ses glandes surrénales qui vont sécréter beaucoup de cortisol. Et ses glandes surrénales, après, seront rincées. Il aura plus d'énergie. Ouais. C'est ça qu'il faut. D'accord ? C'est la plus grande fatigue, c'est la fatigue émotionnelle. Allez, mon cher, on y va. Laisse le but de la longe, en fait, c'est une sécurité pour toi, hein, pour pas qu'il s'en aille. Mais ça doit être un synonyme de, on va dire, de semi-liberté. Le plus possible de liberté pour lui. C'est-à-dire, s'il sent une odeur à droite, il va aller à droite. S'il sent une odeur à gauche, tu le laisses aller à gauche, etc. D'accord ? Évite les à-coups. Tu dois, ça doit être fluide. Voilà, donc c'est Myriam, bénévole au refuge de la SPACA, qui promène Evan. Et le but de cette promenade, c'est de lui apprendre à gérer Evan, qui n'est pas facile, et que personne ne veut prendre en charge parce qu'il est trop excité et qu'il a niaqué plusieurs fois. Voilà. Et si, les bénévoles ne font pas tout ce qu'il faut, ben, il peut niaquer et détruire les vêtements, tirer les vêtements, etc. Alors, ramène-le vers toi, dis-lui à pas bouger. Evan, attends. Evan, au pied. Evan, viens là. Alors, pas, viens là. Pas bouger, merci. Allez-y, allez-y. Pas bouger. Apprends-lui et pas bouger. Pas bouger. C'est bien, on y va. Et après, tu lèves l'ordre. Et tu laisses filer. Voilà, d'accord. Comme ça, tu lui apprends un peu des bribes d'éducation. Voilà, ne te laisse pas entraîner par la longe qui tire. Hein. Oui. Ne laisse pas tirer. Il faut toujours que ce soit toi l'initiateur des... Ouais, Moussia, qui t'y mouille ça. Oui, allez, va. Ce soit toi l'initiatrice des choses que tu lui demandes. Hein. C'est pas lui qui doit décider. Pas bouger, non, c'est pas bouger. Pas bouger, tu... Voilà, c'est... Reste un pas, juste sur le pas bouger. Evan, pas bouger. Voilà, tu lui dis la patte. C'est bien, mon cher. La patte. La patte. Voilà. Hop là, pardon. Voilà. Très bien, allez, on y va. Très bien, tu lèves l'ordre. D'accord ? Comme ça, tu lui apprends à communiquer et ça renforce le lien. Alors, un petit truc d'un ex bénévole de refuge. Quand tu balades un chien très excité ou qui tire beaucoup, que tu arrives, tu as du mal à contrôler, mets la longe entre la patte comme ça. Oui. D'accord ? Tu laisses une patte par-dessus la longe. Oui. Comme ça, lui, ça lui permet de ne pas s'étrangler trop. Oui. Et ça lui amène sa tête vers le bas. Oui. Ce qui fait. Voilà, ce qu'il a moins de force. D'accord ? Au pire, il se retrouve avec la truffe dans le bitume. D'accord ? Donc tu lui fais pas mal. Voilà. Et en même temps, ça. Très bien. Voilà, très bien. Très et en même temps, ça le gêne. Oui. Oui. D'accord ? C'est un des principes des harnais anti-traction. Voilà, la patte, attends. Pas non, bouger. Alors pas plein d'ordre. Si tu dis à pas bouger, reste au pas bouger. Pas bouger. Assis. Assis, Ivan. Très pas bien. Pas bouger. Très bien. Allez, on y va. Très bien, bravo. T'as vu qu'il commence à t'obéir. Ça renforce le lien. La prochaine fois que tu lui diras un assis, il s'assoira beaucoup plus facilement. Parce que tu as créé le lien. Si tu le laisses tirer toute la journée et tu lui dis jamais rien, bah tu ne créeras jamais le rien et il ne t'obéira pas. Il s'obéira juste à lui-même. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il se met à tirer sur sa longe ? D'accord. Est-ce que tu dois te laisser emporter et courir avec lui ? Oui, il s'est tombé. Ouais. La pierre des scénarios. Ok. Alors, on y va. Tu dois le guider. Il doit comprendre que c'est toi qui le guide. Hein ? Allez, on y va. Alors, on va le laisser tirer. Hein, pour ok. Tire, mais là, il m'a dit. Eh oui. Voilà, admettons qu'il tire. Ok. D'accord. Ah, mince, il ne tire plus. Ah. Il y a le jogger. Ah. On y va. Jogger, d'accord. Je ne sais pas s'il est réactif ou pas de jogger. Eh oui. Tu as vu qu'il n'essaie pas d'y aller. Oui. Mais il n'est pas agressif. Oui. Il n'a pas monté oui. Donc, pour l'instant, je ne le connais pas trop, ce chien. Oui, oui. Okay. Donc, je suis prudent. Je lui dis pas bouger. D'accord. Je vais remonter la longe comme ça. Ok. Sans faire d'à-coups. Je lui dis pas bouger. Ok. Tu ne le fais pas s'asseoir, forcément. Non. Non. Reste. Simple. Il faut rester. Simple. Voilà. D'accord. Je lui dis à pas bouger, reste pas bouger. Ok. Ça suffit. Comme ça, il comprend.
plus tu compliques, plus c'est difficile pour toi de faire obéir. Et s'il ne veut pas s'asseoir, tu vas lutter. Ah oui. Tu vas t'énerver. Ok. Tu vas lui donner des à-coups. Ça va monter en tension. Bon, c'est tout faux. Et le jogger arrive en plus, il va être au top de l'excitation. Il va y aller. Et ok. C'est au contraire d'être sûr de toi, calme. Et d'être tout simple. Pas bouger, c'est pas bouger. Ok. Une voix calme, tranquille, sûr de toi. Ok. Alors, là tu vois que je l'ai pas laissé aller le jogger. Pas bouger. Voilà, je l'ai retenu. Le jogger a passé. T'as vu qu'il est allé derrière le jogger pour sentir les odeurs. Oui. Ça, il était curieux. Je veux qu'il sente les odeurs du jogger. D'accord. Okay. Je veux pas le frustrer. Oui. Si je le frustre, j'empêche toujours de voir le jogger, je vais le rendre réactif le jogger. Oui, ok. Je veux qu'il sente les jogger. Une fois que le jogger est passé, bien passé et hors d'atteinte, je dirais. Il a plein de molécules odorantes derrière. Ok, lui, d'accord. Ou sur le sol, qui se déploie ensuite sur le sol. Oui. Je veux qu'il les renifle. Ok. Et même, je vais le guider pour qu'il les renifle. D'accord. Voilà. Par contre, c'est moi qui vais le guider vers le jogger. D'accord, c'est pas lui qui va y aller d'emblée. Ok. Il va comprendre que c'est moi qui dirige. Ok. Tu veux voir le jogger ? Ben on va y aller. On va y aller, je t'accompagne. Et c'est moi qui t'accompagne. Ok. Et c'est moi qui t'emmène vers le jogger. Ok. D'accord ? Et donc quand il te tire comme ça avec sa longe. Alors, il y a 36 000 solutions. Hein. Alors, il tire. Bon là il tire pas trop. Hein. Non. Il tire plus trop. Il tire plus, ouais. Il n'est pas tombé. Hein. Allez, tiens, voilà. Tu vois qu'il n'a pas beaucoup d'énergie. Ah, mettons qu'il tire. Ok. Voilà. Pour la démo. Regardez, il tire. Allez, tu commences à me regarder déjà. Ouais. Alors, tu n'y es pas. Ouais. Pas du tout. Ouais. Il crée le lien. Hein. Ouais. Le lien commence à se créer. Absolument. À interagir avec nous. Interagir avec moi. À me demander, ça va, tout va bien. Oui, Tu me demandes pas quelque chose. Ouais. Alors, admettons qu'il tire. Pas bouger. C'est bien, Ivan. Par contre, il faut avoir un ton un peu ferme. Un ton un peu ferme. Et je lui dis, bouger. Ouais. Ça sert à rien. Ouais. D'accord. Okay. C'est pour ça que je te dis, c'est la force psychologique. Je peux tout à fait lui dire. On y va. D'accord. Dans l'autre sens. D'accord. Mais comme il ne voulait pas aller par là, je vais lui repermettre d'aller par là. Oui. Mais à mes conditions à moi. Oui. D'accord. Ok. Allez, et puis pour se défouler un petit peu, pour éviter la frustration, on se met à courir. C'est toujours moi qui suis à l'initiative. Ok. Allez, mon chien. C'est bien, Yves. Bravo, voilà. Bravo, mon bonhomme. Je suis repassé dans l'autre sens. Tu vois, avec un jogger qu'on passe, c'est beaucoup plus anxiogène pour le chien. Ah oui. Hein? D'accord. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dépassé le jogger. Oui. Et après, j'ai félicité. J'ai dit, ouais, c'est bien, mon chien, bravo, tu te caresses. Tu l'as pas vu parce que j'étais dans le virage. Mais je lui ai dit, c'est bien, ouais. On a passé le jogger. C'est ça que je veux de toi, quand tu vois un jogger. Ok, et après je suis revenu à contresens. Oui. Alors on a de la chance que le jogger s'est prêté. Oui. Il n'est pas réactif non plus le jogger. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont terrifiés par les chiens. C'est ça, c'est normal. Mm. Par contre, il voyait que je gérais. Oui, donc c'est ça. Beaucoup plus, oui, c'est sécurisant pour moi, bien sûr. Quand la longe n'est pas sous la patte et que tu veux la faire passer sous la patte, explique-lui toujours ce que tu fais. D'accord ? Parce qu'un chien qui ne sait pas ce que tu veux lui faire, c'est là qu'il peut, où il y a un risque de morsure. D'accord. Par contre, comme tu vas approcher ton visage un petit peu de sa patte, protège ton visage par ton bras, par exemple. Au cas où il réagisse, il mord ton bras et pas ta figure. Ensuite, donc tu dis stop, il stop, tu dis la patte, tu soulèves doucement, tu fais des gestes lents et assurés, tu lui soulèves doucement la patte, en lui disant la patte, tu passes la longe et après tu lèves l'ordre. Allez, on y va, c'est bien, mon pépère. Il y a deux solutions. Moi, il y a de la place. Je le mets sur le côté, là, là, pas bouger. Je le place avec ma main, là, pas bouger. Ok. La voiture passe doucement. Oui. Je dis, oh, doucement. Voilà. Voilà, ouais. C'est moi qui dirige aussi la voiture. Oui. D'accord, c'est bien, Richard. Allez, va. Soit je me mets au milieu. Stop. Tu fais stopper la voiture. Ouais. D'accord. Et je passe entre la voiture à l'arrêt
Et le bord du chemin. Voilà. D'accord. D'accord. Ouais. Tu lui donnes pour mordre. Ok. Je donne ce défouler là-dessus. On peut le lui pendre quelque part. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup. Voilà, il est beaucoup plus calme. C'est bien mon chien, c'est bien mon pépère. Fatigué là. Hein. Alors là, il a eu l'exercice physique, exercice mental, socialisation, émotion. Ouais. Il a tout eu. Ouais. D'accord ? C'est complet. C'est une bonne balade pour lui. Ouais. D'accord. C'est bien mon Ivan, c'est très très bien. Eh oui. Très très bien ça. Hein, voilà, t'es content, hein ? Eh oui. Je repasserai, va. Je passerai.